symbolique aux Jeux Olympiques d'hiver. Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Et sur le coup, je ne sais plus du tout où on s'était laissé. Il me semble qu'on avait battu un boss, c'était Metal Sonic, hein, si je ne me trompe pas. Et on était arrivé à... Et voilà, c'est ça, on était arrivé à Col qui gèle, donc c'était la troisième île, hein, théoriquement. Non, non, je m'en fiche, non, laisse tomber. Ok, donc nous sommes arrivés à Col qui gèle. Donc voilà, bon bah alors donc sur le coup, alors je sais plus du tout, il me semble qu'il y avait, on avait déverrouillé des mécanismes et tout ça. Mais à Col qui gèle, je crois qu'on a, oui on vient d'arriver, hein, donc on va juste visiter un petit peu la map je pense, hein, on va pas se prendre la tête. Alors je pense que sur le coup, je vais essayer d'attendre d'avoir un boss. Avant d'arrêter la vidéo, juste pour voir combien de temps ça fait. Bon, après, il faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que je dois admettre que dans les premiers épisodes, j'ai pas trop réussi à me régler. Ok, bon. Là, on n'a rien appris d'exceptionnel. Ok, une petite pierre ici, c'est sympa. Ouais, pourquoi pas quoi. Ok. Alors les pierres, je sais pas où on en est. Je crois qu'on en a. Si je vais là, ok, je vais. Ici, est-ce qu'il y a des petits trucs ici? On va pas faire la mission tout de suite. Je veux juste voir. Ok, il y a un téléporteur ici, c'est bon à savoir. Sauve les esprits de neige et change les drapeaux Bowser avec un Mario et Sonic. Attends, c'est tout? Mais c'est inutile! Mais oui! C'est quoi ce truc? Je pense que ça fait partie du monde de Sonic. Je sais pas quoi en penser, c'est cool ce truc. Oh, il a l'air sympa comme ça, comme le fait Sonic, ouais. Big the Cat, c'est un chat. C'est un chat. C'est un gros chat. D'accord. Ok. Admettons. Je crois que c'était un hérisson. Ah, tu vas me dire avec la queue derrière, oui, je suis un petit peu débile là sur ce coup-là. Par contre, c'est vrai. D'accord, c'est un débile. C'est quoi une mission? Ok, apparemment on peut faire la mission, donc c'est plutôt pas mal. Passe par les portes, touche l'intérieur des portes pour accélérer 5 fois. Ok, donc ok, on va voir ce que c'est. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, les amis, je suis pas bien. Ah, c'est génial! Alors il faut toucher les drapeaux, mais à l'intérieur, c'est... Quoi? Tu te fous de moi? Amy? T'es sérieuse là? Ouais! En voilà un, les amis, en voilà un, on est plutôt pas mal. J'ai loupé celui-là. Ok les amis, on est plutôt pas mal, il nous en manque juste un, je vais essayer de l'avoir. Oui, c'est bon. Ouh. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres missions sur ce mini-jeu, parce qu'on est mal, là, sinon. Une luge étincelante.
D'accord, ouais, bon, pourquoi pas. Ok, d'accord. Ah, ça peut être cool, par contre, ce genre de truc. Ça peut offrir des mini-jeux qui peuvent être assez intéressants. Moi, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Allons-y. On prend. Ok, donc on a gagné, finalement, un nouvel objet. C'est plutôt pas mal. On va se faire cette mission, tiens. Alors, ça gaze. Alors, fais une accélération de départ en appuyant sur A et en le relâchant au bon moment. Ok, d'accord. Alors, on en est où finalement dans l'émission? Nous avons donc Knuckles. Ici, nous avons K, 4, 3, 2, 0, 8, 1. Bah, vous savez quoi? Bah, je pitch. Il faut un petit peu de technique, je pense, sur ce coup-là. Ah, ça m'en fait quelque chose, ça. Mais c'est génial, ça. La mission était assez simple, on va pas se mentir. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi on a qu'une vie. Disons que j'ai fait un pas imperfect, on peut pas réellement faire mieux. Bon, c'est pas grave, nous avons gagné un cristal. Et ça, bah, c'est le principal. Bon, ça, je le zappe parce qu'on s'en fout, c'est toujours la même chose. Ils sont chiants avec leur dialogue, là. Si encore c'était des dialogues différents, j'aurais pas dit, mais là, c'est du foutage de tronche. Ok, donc on a retrouvé une petite pierre. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Mais ce genre d'information, est-ce que tu foutrais pas un petit peu? Mais oui, on s'en fout, mais oui, mais bien évidemment, on va passer à la suite, hein, bah oui. Ok, on est plutôt pas mal. Y'a rien ici? Non, y'a rien du tout. Bonjour, jeune Chao. Alors, obtiens super ou mieux pour la course de départ et l'embarquement. Ah, il faut être deux. Très bien. Et bien sûr, le coup, nous allons prendre Knuckles, vu qu'il a rien. Donc, Luigi en a deux. Bon, allez, on va prendre Luigi. Alors, sur le coup... Bon, allez, on y va directement, on s'en fiche des vies. On en a quand même assez, je pense, quand même. Ok, c'est avec les touches, il faut que ça soit. On a un parfait, on a un perfect. Et on a un super. On a gagné sur une étoile ou... Qu'est-ce que je dis, moi, là, oula. On a plus 1. Alors, je pense que je peux faire mieux. Je vais la refaire, vite fait. Si ça ne vous dérange point, ça. Par contre, on a encore gagné un cristal. Donc, ça, c'est très bien. Ça, on le passe. On s'en fiche. Ok. On se la refait vite fait. Knuckles, tu peux la refaire. Et Luigi, on va garder, finalement, cette petite équipe qui a gagné au premier coup. Attention. On est prêt. Ok, c'est toujours ça. Eh oui, on a 3 vies, c'est bon. Ah, on est trop fort. Je savais que c'était possible. C'est juste que je connaissais pas les touches. Donc il me fallait... juste refaire une deuxième fois. Alors, je veux pas dire, mais on a quand même 62 vies, on est plutôt pas mal.
Ah, un érable. Ça, c'est intéressant, par contre. On va avoir une petite anecdote sur les Jeux Olympiques. Ah, journal de Mascas. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans un épisode précédent, donc on avait le début de l'histoire, et donc là, nous avons la suite. Et cette histoire est épique. Donc, que signifie le mot luge ? Le mot luge vient du français pour traîneau de bois. D'accord. Les luges étaient utilisées dans toutes les régions enneigées d'Europe pour le transport de marchandises, de personnes et des loisirs. C'est maintenant devenu un sport de compétition. C'est excellent ça, c'est excellent, mais oui. On apprend des choses, mais oui. On est comme ça, nous. Alors là, je pense qu'on peut monter là-dedans, mais je sais pas si c'est réellement bien de le faire. Oh, il y a Yoshi ici. Je pense que nous allons faire la mission avec Yoshi. Comme ça, on va pouvoir le libérer et le jouer, tout simplement. Ok, on est plutôt pas mal, donc on va juste regarder ce qu'il y a. Quoique non, on va faire la mission avec Yoshi directement. Une compétition de luge ? Allez, mais oui Yoshi, y a pas de souci. Yoshi, c'est l'un de mes personnages préférés du monde de Mario. Alors, on ne dit rien. Luge, qui dit luge dit... Luge, je sais pas quoi faire. On a pas vraiment besoin de vitesse. Je pense que vu qu'il s'agit de Yoshi, je pense que ça serait logique de prendre Mario. Bye Yoshi. Eh ben c'est parti. Nous allons faire la course, les amis. Je sais pas c'est quoi les touches, c'est excellent. Oh, j'ai fait un titre mauvais. Oh, il est beaucoup plus rapide que moi. Tellement plus rapide. Ah, on a plus rien. Je sais même pas c'est quoi comme jauge, parce qu'on va pas dire que c'est descente, on est sur une luge. Regardez la vitesse qu'on a, quoi. Ça tourne de taré. Oh là là là, on s'est bien rattrapé vers la fin par contre. Oh, on a fait un départ de caca, on va pas se mentir. Hein. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc nous avons un troisième cristal, déjà. Alors par contre, je sais pas où est le mur. Je pense qu'il est vers le nord, il faut que je monte les escaliers. Allez, rejoins-nous, Yoshi. Fais pas ton timide. On a bien compris. Ah, ça, par contre, c'est intéressant. Je croyais que c'était un autre personnage qu'il fallait. Ok, eh bien, nous allons aller à Briville, alors. Eh bien, c'est parti, les amis. Nous y allons. Ah, bah, c'est parfait. Bah, ça sert à ça, finalement. C'est génial. Mais avant d'y aller, je veux juste voir... Ah bah il est là le mur, super. C'est super les amis, nous avons trouvé le mur. Je pensais qu'il était un peu plus loin, c'est pour ça que je voulais voir d'abord. Mais bon, bah vu qu'il est là, nous allons aller à Briville. Hop là. Allez vas-y, c'est parti. Ah, il nous emmène ici. Oh, c'est excellent.
ce moyen de transport finalement est vraiment pas mal. Là il y a une mission qui nous sert pas. Ok, c'est là-bas. C'est là-bas, je reconnais. Alors il me semble que c'était à Bribourg. C'est Bribourg. Ok, Bribourg. Bribourg 2, il me semble. Et il faut aller. Je crois que c'est ce tuyau-là. Il me semble que c'est ce tuyau-là. Parfait, on peut. Ah, j'adore Yoshi. Il nous a débloqué la situation, c'est parfait. Allez, c'est parti pour ce mini-jeu. Alors par contre, il faut faire quoi? Donc, étire la langue de Yoshi, où tu glisses. Ok, d'accord. Donc il faut faire glisser, par contre c'est chiant. Non! Oui, c'est bon. Heureusement que ça réinitialise pas tout quand on se bourre. C'est excellent, ça, c'est excellent. Mais oui, c'était simple, c'était génial. Nous allons pouvoir enfin voir ce qu'il y a derrière cette porte. C'est parfait. Bien joué, Yoshi. Les dinosaures, de toute façon, la classe. Ils ont toujours la classe, les dinosaures. Celui qui a insulté le dinosaure, tu lui faire la gueule, c'est sûr. On va pas être amis. Alors, que signifie le mot biathlon? Le mot d'origine grecque signifie deux épreuves. Il fait référence à une épreuve que mêle en ski de fond et tir à la carabine. D'accord, bon bah voilà. Donc, si vous voulez ressortir ça durant un dîner en famille ou entre amis, voilà quoi. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Du nouveau, Yoshi possède une carapace rouge sur son dos. C'est génial, merci. Merci, je me sens éclairé d'un coup. Alors vous savez quoi, on va se faire une mission juste pour avoir les 4 cristaux qu'il nous faut. C'est quoi? Gagne au moins... Ah non, gagne avec moins de 500 points d'écart avec son adversaire. Et c'est qui tire? Ok, bon bah les amis, nous avons testé ça. Ski et tir, donc ski et tir, Yoshi montre que les dinosaures sont pas éteints. Oh, c'est contraignant en plus. Non. Ah, ça saoule. Faudra déjà que je gagne avant de faire la mission. Je vous jure qu'à la souris, c'est pas possible. Je ne peux strictement rien faire. Je peux pas y arriver. Yoshi. Non, j'ai pas eu le bonus. C'est un jeu nul. Il nous faut le prochain bonus. Je ne l'ai pas eu. Le jeu est buggé. Ça,
sert à rien ça. C'est nul. Mais oui, mais bien sûr que c'est nul. Il nous faut le bonus. Il n'y a pas de bonus. Non. Ok, bon bah là les amis, je crois que j'ai tryhardé mais comme un porc. C'est une vraie blague. Déjà vu. Alors là, j'ai tryhardé, mais comme... Attends, quoi? Quoi? J'ai perdu? Attends. Retour à la carte, les amis, je crois que j'ai pas compris la mission. Non, vraiment, j'ai pas compris la mission. C'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai perdu? J'avais plus de 500 points d'écart! Comment ça se fait? Gagne avec pro... Avec moins de 500 points. Moins de 500 points. Ouais, bah je la fais pas la mission. Non, non, c'est bon, j'en ai marre. Mascas, il me semble que tu avais une mission pour moi. Non, le truc du tir, là, non. Je peux plus, j'en peux plus. Spring Ring, je sais même pas ce que c'est ça. Glisse vers le haut et en traversant les rings. Ok, bon, bah on va voir, on va tester. Bon, les dinosaures, on dirait qu'ils sont un petit peu en voie de disparition, on va pas se mentir. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je traverse trois rings, c'est ça? Je sais même plus, je lis même pas. Glisse vers le haut en traversant les rings pour faire un sprint 3 rings ou plus. Glisse vers le haut quand je traverse un rings. Alors, je vais pas vous mentir, je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Alors, on va tester, on verra bien. Ok, j'ai loupé. Ok, hein. J'en ai fait deux, apparemment. Génial, les amis, nous avons réussi. M'en fous! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça! Yeah! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça! Vous voyez, au final, faire le mode aventure, ça vous donne un petit peu bah, des idées, quoi. Petites astuces, pas besoin de dire! Bien joué Yoshi, en tout cas, tu nous as encore aidé. Grâce à toi, finalement, nous avons 4 cristaux, ce qui va nous permettre de démolir le mur qu'il y a donc à Colpogel, qui sera sûrement pas le dernier, mais qui est au moins le premier. Alors, je veux juste voir où ça mène, ça. D'accord, c'est là où il y avait le pingouin, c'est génial. Mario aime beaucoup la princesse Peach. Merci pour cette anecdote qui finalement nous sert beaucoup. Bon, allez, vas-y, on va la faire quand même. C'est un pingouin qui nous propose. Ah, descente supersonique, je sais pas, j'aime pas beaucoup. Hein. Terminer la course. Évite les blocs et atteins l'arrivée sans être disqualifié. Il faut juste atteindre l'arrivée, les amis. Il faut juste atteindre l'arrivée. On est bon. On va appuyer sur aucun bouton à part le A. On va rester calme.
On reste calme. Pas besoin de stresser. Là, il y a un truc au-dessus. Là, il y a un truc au-dessus. Ouais. Hop là. Hop. Oh, je l'ai pas. Enfin, je pas capté. Oh non, je suis une merde. Alors par contre, je comprends pas pourquoi. Il y a un truc que je ne comprends pas dans ce mini-jeu, c'est que même si j'ai la protection, ça me disqualifie quand même. Donc en gros, la protection ne sert à rien, si je comprends bien. Bah, enfin, moi je le prends comme ça. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais regardez, là j'ai une protection, si je me prends un carré, bah ça compte quand même. Je trouve ça un petit peu con, on va pas se mentir. Regardez, ça compte quand même. Je ne comprends pas. Bon bah là, voilà, on a réussi. Mais ouais, c'est vrai, ou alors ça va tellement vite que mon cerveau n'y arrive pas. C'est possible aussi. Bon allez. C'est pas le tout, petit pingouin, mais moi, je dois y aller. Ah, la cabine est hors service. Mais c'est génial. Merci. Merci. Je suis hyper content. Ok, nous allons retourner à Col qui gèle, les amis, et démolir une bonne fois pour toutes ce mur. Et je pense qu'on s'arrêtera là, hein. À part s'il y a un petit boss juste derrière, bon bah on le fera. Mais je pense qu'on est déjà pas mal, on a bien avancé. Il y a juste un truc que je veux faire, et c'est assez chiant parce que c'est à l'autre bout de la map. C'est activer finalement le téléporteur à Givreville. Et voilà. Il est activé, c'est parfait. Nous pouvons finalement briser ce mur de glace tranquillement. Ok, c'est parti les amis. Voyons voir. Voyons voir. Qui y a derrière? Ah oui, c'est vrai, cet esprit-là s'appelle Paula. Oh, Paula. Popola. Oh, c'est un roi bou. Oh là là là, en plus il est énorme. Je pense qu'on va avoir à faire un jeu de vitesse. Bon bah voilà, je pense qu'on a rien oublié. Mais bouge! Mais bouge! Je veux pas de toi! Bouge! Mais... Ah oui, il me semble que on l'avait croisé un bout, il me semble. Ah oui, oui, c'est vrai. Dans les épisodes précédents, il me semble qu'on avait terrorisé un bout.
Alors, ski alpin, slalom géant, je ne sais plus du tout ce que c'est comme mini-jeu. Je crois, les amis, que sur ce coup-là, je suis un homme mort. Bon bah ben voilà, on l'a gagné. C'était plutôt simple, je pas besoin de regarder, non. Tu peux jouer au hockey délirant, eh ben pourquoi pas. On attend quoi? Allons-y. Mais on attend que tu arrêtes de causer. C'est surtout ça le truc. Oh mon dieu. D'accord, la caméra qui... La caméra qui se fait un petit kiff. Ok, donc le truc du boss est ici. Et ben, vous savez quoi les amis? Ah ben voilà, nous avons trouvé la pierre de fin de vidéo. Voilà, donc c'est ici que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh, ah bah oui, voilà, Givreville, quand il est juste à côté. Donc il nous manque finalement une île sur Terre. Donc je pense que ce sera peut-être l'île, l'avant-dernière île. Et puis il nous reste deux îles dans le ciel. Donc on est environ vers la moitié du let's play, là, environ. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour la suite du let's play, voilà. Et puis on se met bien, on se met bien. A plus tout le monde.